Alors moi, je suis très heureux d'être là pour plusieurs raisons. Je suis président du comité de valorisation de l'ULB depuis 2004. Donc ça fait quand même une expérience. J'ai pu observer les transformations. Une époque où il n'y avait quasiment pas de TTO, une époque maintenant où on a quelque chose de mieux structuré et qui évolue encore. J'ai également été chief economist de l'Office européen des brevets, donc avant Yann Meyer. Et ce qui m'a permis d'avoir une vision assez intéressante sur les différents acteurs et comment ces acteurs se positionnent par rapport à la propriété intellectuelle. Bon, je ne suis pas là pour parler de ce problème-là, mais plutôt de la propriété intellectuelle dans les universités. Alors, une dernière introduction, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais invité à Paris pour une réunion assez intéressante et la conférence plénière avait lieu à la Sorbonne par Madame Pécresse et c'était la réunion du lancement des SAT. Et j'ai probablement, vu mon expérience à l'OCDE et à l'Office européen des brevets, j'ai fait partie du comité de sélection des premières SAT qui devaient être lancées. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en Belgique, on n'a pas cette centralisation aussi forte. Et donc, c'est une approche très différente. Et ce qui était passionnant, c'est de voir tous ces projets qui, malgré la centralisation, étaient extrêmement divers et variés. Et ça fait partie de mon message. On est toujours dans une diversité extrêmement forte. Nous avons des trajectoires institutionnelles, surtout au niveau européen, très différentes. Et que donc, c'est très compliqué d'avoir une politique européenne en la matière, puisque le contexte est très important, surtout dans le monde académique. Et comme ça a été présenté en guise d'introduction, il y a je dirais, des trajectoires organisationnelles différentes. Et j'aime toujours commencer ma présentation en parlant de Fleming, pas parce qu'il est prix Nobel ou docteur honoris causa de l'ULB, mais parce que c'est quelqu'un qui a découvert la pénicilline, comme vous le savez, qui a eu des retombées économiques et sociales gigantesques, puisque le bêta-test était les soldats américains lors de leur intervention en Europe. Donc, ça a eu indirectement des conséquences en Europe. Et donc, vous connaissez probablement, bon, juste l'histoire entre la découverte en 1928 d'un effet thérapeutique potentiel à la validation de cet effet, ben, ça a mis de nombreuses années, le transfert d'un département, d'un laboratoire vers l'autre. Et alors, pourquoi j'aime ce projet, c'est que la découverte en dehors du labo, c'est-à-dire la découverte d'effets thérapeutiques sur les souris et donc avec potentiel sur l'humanité très important, c'était Oxford. Et à l'époque, déposer un brevet en Angleterre était très mal vu. Mais bon, il y avait un Allemand et un Australien, hein, Cheyne et Fleuret, un Australien, un Allemand. L'Allemand voulait déposer un brevet parce que c'était pratique courante en Allemagne à l'époque, et l'Australien, mais sous la culture anglaise, ne voulait pas déposer de brevet. Donc finalement, n'ont pas déposé de brevet. D'ailleurs, l'aspect régulatoire était important, et ce brevet ou ce projet de recherche était transféré aux États-Unis. Sous un consortium semi-public et dont le lead privé n'était autre que, je vous le demande, ben, la plus grande entreprise pharmaceutique encore à l'heure actuelle, Pfizer. Donc, j'aime beaucoup cet exemple parce que parfois, il y a encore des professeurs qui me disent à quoi ça sert ces transferts, prostitution de recherche. Mais non, si on fait des découvertes qui ont un impact économique potentiel, ça fait partie du rôle des universités de maximiser la probabilité de retombées économiques locales. Ça justifie les TTO. À partir de là, bon, c'est la théorie, c'est le principe. Inutile d'expliquer qu'évidemment, à l'époque, développer cette entreprise en Angleterre eût été difficile, mais quand même, le fait que toutes les retombées économiques se sont déroulées aux États-Unis principalement, après, ça a ouvert des nouveaux champs de recherche dans le monde entier, donc ça s'aimait. Et ni Fleuret, ni Fleming, ni Cheyne n'ont eu le moindre retour financier pour leur labo, ni les universités financées par le public, puisque toutes ces découvertes s'étaient financées par le gouvernement britannique. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de ce cas?
Évidemment, la recherche scientifique a un impact sociétal potentiellement gigantesque, ce qui la justifie évidemment en particulier. L'impact sociétal peut être partout dans le monde. Donc, si on ne gère pas ça de manière efficace localement, ben, s'il y a un effet potentiel, ça aura lieu quelque part ailleurs, comme c'est le cas ici, et comme c'est encore très souvent le cas. Évidemment, le transfert de technologie permet, lorsque c'est bien géré, un impact local. On vient nous présenter, la personne qui a introduit la séance. Le cas du brevet qu'il a dû déposer lui-même aux États-Unis, c'est assez intéressant. Alors, évidemment, il y a pas mal de débats. On est dans quelque chose qui est structurant, mais qui en même temps a des effets potentiels négatifs, d'où l'importance d'aborder ce débat, l'importance de la recherche universitaire en socio-économie pour clarifier les choses et surtout l'importance de la pratique de gestion. Alors, moi, dans mon exposé, je vais parler évidemment en partie de recherche universitaire qui s'intéresse à la problématique, et puis graduellement, je vais aller vers mon vécu de 17 ans en tant que président du comité de valorisation, où on voit les conséquences que l'on n'aborde pas toujours quand on écrit un article scientifique. Hein, c'est très beau, il y a un brevet, il y a un transfert, il y a un retour financier, mais la réalité, c'est énormément d'émotions de la part de tous les acteurs. Et ça, ce n'est pas des lois qui permettent d'adapter les émotions. C'est de la pratique, c'est de l'expérience, c'est de la bonne volonté, et ça, c'est le professionnalisme. On oublie très souvent dans les politiques économiques que ce n'est pas un nombre de brevets, ce n'est pas une licence. Il y a énormément d'émotionnel, et l'émotionnel va influencer l'efficacité de ce transfert. Et je dis toujours, je le dis à mes enfants, s'ils font des études compatibles avec travailler pour une TTO, je leur souhaite de commencer leur carrière dans une TTO, parce que si ils résistent à ça, eh bien ils sont faits pour une carrière fantastique dans l'industrie ou dans le public. Alors, en termes de politique économique, juste pour revenir, donc on a vu qu'à l'époque en Angleterre, ça se faisait pas, c'était malsain. Dans les années 80, on dit toujours que c'est le Bay Dole qui a permis les dépôts universitaires aux États-Unis. Pas du tout. Ce sont les dépôts universitaires américains qui ont induit le Bay Dole, puisque les décideurs politiques réagissent toujours à la pression de leurs constituants. Et l'essor des biotech a fait qu'il était beaucoup plus efficace de gérer localement la propriété intellectuelle, et que donc il fallait surtout rendre la pays aux universités plutôt que de la gérer centralement au NIH ou au Department of Defense. Et donc, c'est vraiment l'expérience de transfert qui devenait, donc ça a commencé à Stanford, hein, avec le gene splicing, c'est cette expérience-là qui a induit la politique économique qui a consisté à dire, on gère la pays localement, on va maximiser, en fait, la probabilité d'impact localisé des retombées économiques. Et voilà. Et alors, évidemment, là, c'est pour le cirque, c'est très américain, où il y a une femme qui a été sauvée grâce au Bay Dole Act. Et voilà. Alors, l'Europe, évidemment, suit toujours de quelques années. Donc, c'était dans les années 80 aux États-Unis. L'Europe, c'est les années 90. Et chaque pays a eu sa propre dynamique. Et ce que vous voyez dans les brevets européens académiques, vous avez brevets européens déposés par les universités américaines et toutes les autres universités. Vous voyez que ben ça, c'était déjà les Américaines, et vous voyez que l'essor se fait graduellement, c'est-à-dire les universités deviennent acteurs majeurs, majeurs, ça reste 10 à 15% des brevets totaux en fonction des pays, mais ce sont des brevets de très haute valeur ajoutée, puisque l'industrie s'amuse à faire des dépôts stratégiques qui parfois ne riment à rien. Les universités ne font pratiquement jamais, à part de temps en temps aux États-Unis, pratiquement jamais de dépôts stratégiques. C'est la science, je découvre, je dépose. Et donc, si on pondère par la qualité, les universités sont beaucoup plus proches de 40 à 50 % à mon avis. Et donc, enfin voilà, là vous voyez que les universités. Et donc, quels sont les quelques points dont je voudrais vous parler, les points de réflexion? Évidemment, quand je me souviens quand j'ai commencé
à l'ULB a présidé le comité de valeurs, il y avait toute une série de profs qui étaient complètement opposés au dépôt. J'entendais le terme de prostitution de la recherche, ceci, cela. Et donc, toute la question était, est-ce que ça a un effet de substitution entre recherche fondamentale et recherche appliquée? Puisque forcément, quand vous commencez à déposer des brevets, il y a un caractère appliqué, c'est-à-dire c'est une innovation, une invention potentielle. Donc, c'est appliqué et donc ça suscite des craintes. Et c'est pour ça que la recherche est super intéressante. Hein. Donc, vous avez les tout grands chercheurs universitaires et en général, l'opposition venait plus des sciences humaines que des sciences exactes ou des sciences inhumaines. Pardon ? On ne voit pas les petits commentaires. Ah, pardon. Des sciences inhumaines, oui, I am an ID man, c'est juste les universitaires qui voulaient s'assurer de rester des intellectuels et de surtout pas ne pas s'intéresser à des choses concrètes de transfert de technologie. C'est une blague, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, alors évidemment il y a de la littérature et c'est super intéressant et je m'excuse, j'ai peut-être pas les tout derniers articles qui ont été publiés dans le domaine parce que pour le moment, je sers plus de paratonnerre à ma faculté qu'autre chose. Mais ici, il y a quelques articles super intéressants qui analysent ce problème d'anti-common, le problème d'impact négatif potentiel de la propriété intellectuelle universitaire sur la qualité ou la quantité de la recherche. Il n'y a pas de vérité absolue, mais quand même des résultats assez intéressants. Et donc, vous avez ces références ici qui consistent à voir si le fait de privatiser la connaissance limite la poursuite de la recherche. Donc, parce que si c'est le cas, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on bloque la recherche. Eh bien, il y a très peu de cas concrets qui valident ça, parce qu'on confond toujours deux choses. Un brevet, c'est un accord entre l'inventeur et la société qui consiste, où la société dit au gouvernement, je te donne un droit exclusif d'exploitation commerciale. Commerciale. La contrepartie, c'est que tu publies ta découverte et elle est accessible à tout le monde. Et donc la connaissance, elle est partout. Elle est libre d'accès et les universitaires peuvent faire leurs recherches sur des domaines brevetés sans aucun problème. Donc la connaissance est diffusée, mais par contre l'exploitation commerciale est limitée. Et donc ça n'a plus rien à voir avec une limite éventuelle intellectuelle. C'est pas parce que je dépose quelque chose que je limite l'accès à cette chose, je limite par contre l'exploitation commerciale de cette chose. Et vous savez, c'est la même chose avec le copyright, et ça ne choque personne. Quand un sociologue publie un livre qui est publié, on va prendre Piketty, tiens, qui vend des millions d'exemplaires de ses livres, ben, tous les droits de propriété intellectuelle sont d'abord extrêmement bien gérés, et il est le seul bénéficiaire de tous ces droits. Est-ce que ça impacte la qualité de sa recherche? Je ne pense pas. Eh bien, c'est le même principe ici. Par contre, il y a quand même certains cas. Alors, ici, c'est une étude intéressante de collègues de la KU Leuven qui ont vraiment pris les meilleurs scientifiques, tous les scientifiques, de leur université. Et donc, ils comparent les scientifiques qui déposent des brevets à un groupe de contrôle qui ne dépose pas de brevets. Et systématiquement, ceux qui déposent des brevets, en fait, sont ceux qui ont soit les plus hautes citations, soit le plus haut H-index, donc il n'y a aucune preuve qui témoigne du fait qu'un académique qui dépose un brevet ferait de la recherche de moins bonne qualité. Alors, on peut critiquer les H-index et tout ça, mais voilà, il faut bien utiliser des indicateurs, sinon on n'arrive plus à faire de recherche de ce type. Ici, donc, il n'y a pas de preuve du contraire. Par contre, le fait de bloquer une innovation, ça peut se passer, et c'est pour ça qu'il faut un régulateur. C'est pour ça qu'il est super important que l'État soit alerte et que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe mal, que la réglementation intervienne. Mike Scherer, qui est un économiste américain défendeur de la propriété intellectuelle et du brevet, était lui-même celui qui a suggéré à l'État américain d'annuler tous les brevets liés aux copy machines, de manière à ce qu'après 16 ans, donc il s'est dit, après 16 ans, ils ont assez de monopole, on va ouvrir la concurrence. Et voilà, donc il faut de l'observation et éventuellement de l'interaction. Alors, un cas intéressant, mais ici,
C'est pas tellement, on associe trop souvent l'oncomose avec la recherche universitaire. Évidemment, l'oncomose est de la recherche universitaire, mais toute la recherche universitaire n'est pas l'oncomose. Donc, en gros, c'est très simple. Ils avaient inventé une souris qui était particulièrement utile pour faire de la recherche dans tous les domaines. Et tant que cette souris était protégée, eh bien, elle coûtait extrêmement cher et donc ça réduisait la capacité de faire de la recherche partout. Donc ça, c'est un autre processus, c'est pas de faire la recherche sur un thème, c'est de faire la recherche en utilisant une technologie brevetée. Et donc, et en l'occurrence, la technologie étant ces pauvres souris, j'ai appris il y a peu de temps, à mon grand désespoir, que les souris qui résistaient à une molécule thérapeutique et qui donc prouvaient qu'une molécule pouvait être bonne, eh bien on les tuait quand même. J'étais bien désolé pour elles, puisque... Que les autres meurent suite à une expérience, mais celle-là pas. Enfin, et alors une autre étude de Cohen sur le et ses co-auteurs aux États-Unis. Bon, c'est aux États-Unis, mais en fait, ils ont enquêté auprès des chercheurs dans laboratoires privés, publics, universitaires, en leur demandant si les brevets avaient eu un impact sur la rapidité, le fait de faire un projet de recherche et tout. Et 1% déclarait qu'effectivement, le fait qu'il y ait une technologie brevetée réduisait la rapidité ou le fait de faire un projet de recherche. 1%. Par contre, 8% déclaraient que le système, qui est encore le système actuel de promotion académique, qui consiste à publish or perish et donc être extrêmement bon en recherche universitaire, ce système induit à ne pas partager les données que l'on vient de générer puisqu'on veut être le premier à publier. C'est la course à la publication. Si j'ai des données super intéressantes, je ne vais pas les partager parce qu'on risque de publier avant moi, je perds la glorieuse. Ce système-là, 8%, induit une réduction de la vitesse de recherche et de projet. Et donc, la réflexion, il ne faut pas tout mettre sur le brevet, mais on a un système socio-économique qui a des avantages et des inconvénients. Alors, en ce qui concerne le rendement privé et public, c'est tout le gros challenge, c'est que vous avez la plupart des universités, pas toutes, mais beaucoup sont financées par le public et qu'elles vont avoir un impact privé, socio-économique. Elles génèrent de la valeur ajoutée. Et c'est cette dichotomie entre administration publique et action privée qui fait qu'il y a parfois des problèmes dans la gestion de ces dossiers. Et on sous-estime très souvent, et le monde industriel sous-estime très souvent, le rôle des universités. Vous savez, quand nous, on dépose un brevet, enfin en Belgique en tout cas, et qu'on propose à une entreprise locale de prendre la licence de brevet, il dit « mais pourquoi est-ce que je paierais deux fois ?» Via mes impôts, je vous paye. Pourquoi est-ce que je vous paierai en plus avec la licence? Et là, on doit leur expliquer. Enfin, il y a un effet, mais il y a des débats intéressants. Et donc, ici, vous avez le pourcentage d'une équipe américaine qui montre, en fait, aux États-Unis, maintenant, quand on dépose un brevet, on est obligé de déclarer l'origine du brevet et du projet de recherche du brevet, de qui a financé ces brevets de recherche. 30% des brevets totaux déposés à l'USPTO, donc on parle de 600 000 dépôts par an, 30% sont issus de recherches financées par l'État, de recherches fédérales, financées par le fédéral dans les universités. C'est gigantesque. Un tiers du potentiel innovant, et c'est tout à fait observable, puisque dans le système américain, et s'il y avait une réforme européenne qu'on pourrait demander, c'est d'imposer la même information en Europe. Si on avait une, ce serait mon My Precious. Mais bon, je ne suis plus à l'Office européen, mais Yann m'entend, c'est jamais. Alors, juste pour illustrer, ça, ce sont les dépôts. Vous voyez que l'essentiel de la zone grise sont les dépôts corporate aux États-Unis. C'est l'essentiel des brevets. Donc, ce n'est pas parce que c'est un dépôt corporate qui n'a pas une origine publique ou de financement public de la recherche. Okay. Et donc, ces brevets qui reposent sur du financement public de la recherche, non seulement sont nombreux, mais en plus sont d'une qualité supérieure, sont plus souvent cités, ont une probabilité de citation plus élevée, ont une probabilité de renouvellement, c'est-à-dire ils durent plus longtemps que les brevets non, et ont plus de mots nouveaux ou de paires de mots nouveaux, ce qui veut dire qu'ils sont à caractère plus innovant. Potentiellement. Okay. Et alors j'en viens, et donc on aura probablement un peu de temps pour les questions-réponses.
J'en viens avec cette expérience. Un tout petit peu d'avance, donc c'est parfait. Parfait. J'en viens évidemment à quelque chose qui m'est cher, mais c'est l'observation. Moi, j'étais chercheur, j'avais des banques de données. Quand je travaillais à l'OCDE, 2 millions de brevets. Et puis tout à coup, j'arrive, on m'invite à être président du comité de valeurs, mais donc à interagir avec les jeunes chercheurs. Surtout, c'est eux le facteur clé, ce sont les chercheurs qui terminent leur thèse. Ce sont les professeurs, ils peuvent se fâcher, mais ils ont leur poste à vie, indéboulonnable. Il y en a, l'administration qui est là a un rôle, et puis alors il y a les entreprises qui, en tout cas il y a 15 ans, dit qu'est-ce que c'est, je dois payer une licence sur, moi j'ai payé cette université, enfin, j'exagère, mais on entendait des choses comme ça. Puis vous avez l'entrepreneur qui n'est pas toujours le chercheur, et puis vous avez l'investisseur qui lui aussi, ou elle, bien entendu, rechigne à devoir payer une licence, alors que ça se fait. Il y a des millions de licences par mois aux États-Unis, ça ne choque personne avec les universités, mais chez nous, c'est parfois un peu plus dur. Alors, il y a quelques points que je voudrais aborder par rapport à ça, et donc ici, c'est pour ça le danger d'avoir une politique unique. S'il y avait une politique, je dirais, tiens, partagez l'info et que nous sachions en Europe tout ce qui vient de financement public. Mais par contre, quand on touche à l'organisation, quand on touche au financement des institutions, il faut être vraiment bien conscient qu'il y a une très grande diversité opérationnelle, une très grande diversité de gouvernance et que l'on compare presque systématiquement des pommes avec des poires. Quand on compare des pays, quand on compare des institutions, et au sein même de, en Belgique, il y a 4 modes opérationnels différents, qui fait que comparer n'a pas tellement de sens. Ah tiens, telle UNIF a dit brevet, ils ont dit spin-off, oui mais ah, c'est là le compte des spin-off quand on fait du consulting, ah c'est là, enfin, j'ai un moment donné, il ne faut pas donner trop de pouvoir à ces indicateurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas les collecter, mais il faut être très prudent. Et malheureusement, le décideur politique veut souvent avoir des indicateurs clés et puis on tire des conclusions un peu hâtives. Alors ici, c'est juste une illustration de la diversité, une typologie des TTO qu'on a fait avec un collègue, Joachim Henkel et Andrea Schoen de la LMU, non, Technische Universität München. Governance Typology, on est allé voir une trentaine de TTO, et vous avez ici toute une série de différences. Il y en a qui sont complètement contrôlés par l'universitaire et sous le mode public, c'est-à-dire ce sont des fonctionnaires semi-publics. Il y en a qui sont complètement privés, LRD, qui a eu Leuven, c'est une ASBL qui gère tous les contrats de recherche, même public de la KU Leuven. Il y en a où on ne gère que au sein de la TTO les contrats avec l'entreprise, mais les contrats publics sont gérés ailleurs, bien qu'il peut y avoir des contextes de propriété intellectuelle. Il y en a qui ne gèrent que les brevets. Il y en a qui intègrent l'incubateur. Il y en a qui intègrent un fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui ont des droits de premier refus. Enfin, il y a une telle diversité et que cette diversité impacte les indicateurs classiques de performance et donc beaucoup grande prudence et attention, ne pas aller trop vite s'il s'agit d'essayer de tirer des conclusions en termes de politique économique sur la gestion. Et alors, ce n'est pas qu'une question de gouvernance, c'est une question également de professionnalisme, de compétences et de gestion de conflits. Et comme je le disais tout à l'heure, survivre dans une TTO qui est active et qui accompagne les chercheurs, les chercheuses de la découverte à la création d'entreprise, et c'est là qu'il y a le plus de tension, plus on va vers la création d'entreprise, plus il y a des tensions, parce qu'est-ce qu'on leur laisse créer complètement les entreprises, même s'ils n'ont pas du tout les compétences de leadership? Qui est l'investisseur initial? Qui décide à un moment donné de dire à la chercheuse ou au chercheur, finalement, t'es peut-être pas le ou la CEO qu'il nous faut, il faut quelqu'un d'autre, tu vas devenir CTO, alors que les chercheurs très souvent considèrent leur découverte comme leur propre, qui leur appartiennent. Et donc, il y a toute une série de tensions. Au niveau institutionnel, si vous n'avez pas les autorités de l'université
qui défendent très clairement, visiblement, l'action de valorisation, ça se passe déjà mal, parce qu'il y a toute une série de collègues qui se disent, tiens, on est autorisé, enfin, on fait pas vraiment partie de... Et donc, il y a vraiment toute une série de sources de tension, et qui fait que il y a des cas qui ne se passent pas pour des simples raisons de personnes, en fait. Et il y a des moments où il vaut mieux laisser tomber. Et les personnes sont fondamentales, et c'est pour ça que je suis très intéressé d'écouter l'expérience des SAT, parce que pour moi, la SAT, c'est une forme de centralisation, et donc il y a une distanciation de l'université. Or, quand il y a une valorisation de brevets, d'innovation universitaire, la personne fondamentale dans la négociation de la vente, soit dans le cadre d'une création de spin-off ou d'une licence à une grande entreprise, c'est le professeur ou la professeure et le ou les chercheurs ou la chercheuse. Eux jouent un rôle fondamental dans tous les niveaux de transfert, que l'on crée une spin-off ou qu'on fasse une licence. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, avant de prendre la licence, va dire, tiens, enfin, il y a peut-être un brevet, un article scientifique, mais on va quand même poser la question, c'est si les professeurs, enfin, si l'équipe scientifique n'est pas motivée et disponible, on oublie. Et pour avoir une équipe scientifique motivée et disponible, il faut qu'elle ait confiance en une personne. Et ce n'est pas qu'une question de proximité, c'est une question de compétence. Et parfois, les compétences, bah parfois, de manière systématique, plus on évolue vers le marché, plus la compétence est de marché, c'est-à-dire professionnalisme du monde capitaliste, et je ne le dis pas avec un caractère caustique, c'est le professionnalisme de, tiens, on va parler à des investisseurs, on va parler à des banques, on va recruter, on devient une entreprise. Et ce sont des mondes différents. Et donc, c'est où se trouve le transfert entre les deux est quelque chose d'extrêmement complexe à gérer. Je pense qu'il faut une volonté politique des autorités universitaires, évidemment du monde politique qui l'entoure, et faire confiance dans les universités, mais qui doivent le vouloir, parce que c'est pas toujours le cas, de trouver le mode opérationnel le plus efficace, c'est-à-dire qui permet un transfert le plus facile et le plus harmonieux, ce qui est souvent compliqué, parce que les gens, dès qu'on crée l'entreprise, Et alors, il y a également un vocabulaire spécial. Quand on se limite au transfert de propriété intellectuelle. Bon, allez, on parle de brevet, d'une licence. Allez, en une heure ou deux, avec la bonne référence, un scientifique, un ou une chercheuse comprend de quoi il s'agit. Il y a un brevet, il y a une exploitation, on va payer une licence et normalement je récupère un tiers de bénéfices et l'université un tiers, mon labo un tiers, enfin, en fonction des. Et donc c'est relativement facile. Quand vous créez une entreprise, mais les investisseurs sont là avec des stock options, avec des ceci, enfin même des swaps, des warrants. Si le chercheur ou la chercheuse n'est pas accompagné de manière professionnelle, mais avec l'intérêt, avec quelqu'un qui défend l'intérêt du chercheur, de la chercheuse et de l'université, eh bien ces gens se sentent un peu perdus et ça devient beaucoup plus complexe que la gestion d'un brevet. Et ce n'est pas deux, trois références qu'il faut, mais c'est plusieurs semaines de formation et de coaching. Et c'est là que les tensions se génèrent, puisqu'il y a des gens qui se sentent incapables de négocier, parce qu'il y a de la négociation, on crée une entreprise, on négocie. Et donc c'est là que ça devient super intéressant et qu'on a des modes organisationnels différents et qu'il faut prendre en compte ces modes organisationnels. Je pense que vous avez compris l'essentiel de mon message par rapport à ça. Et je crois que c'est en fait le facteur le plus important dans ce genre d'organisation. Ce n'est pas tellement une politique centralisée, une politique qui, oui, évidemment, de financement de TTO, il faut les financer, mais après, c'est le mode organisationnel, la gouvernance. Et c'est rarement facile à mettre en œuvre. Je crois avoir dit ce que je voulais dire. Absolument parfait. Ah, il nous reste. Ah, bah vas-y, je t'en prie. Ah, bah excuse-moi, j'avais oublié. Non. Et donc, c'est juste pour structurer mon propos, c'est mon dernier slide. Donc,
Les décisions, donc ça devient de la gestion universitaire. Donc, le nombre de brevets, très mauvais, enfin, c'est un indicateur intéressant, mais qui ne suffit vraiment pas. Très souvent, le financement de la recherche est la priorité et financement de recherche industrielle. Gouvernance de la proof of concept, déjà pas évident, enfin, ça suscite des questions intéressantes. Gouvernance de la spin-off, est-ce que c'est les chercheurs qui sont CEO ou pas, et qui décident. Séparer la gestion de la propriété intellectuelle du processus entrepreneurial, qui sont deux process complètement différents. La propriété intellectuelle, c'est relativement simple et facile et c'est gérable de manière académique. Le processus entrepreneurial, on commence un business plan, on commence des études de marché, on commence le tableau des ressources humaines, enfin, et donc ce sont des expériences différentes et on n'est pas toujours bien armé dans les universités pour gérer la deuxième, d'où éventuellement outsourcer, mais du coup ça génère le problème de confiance. Droit de premier refus, nous avions un fonds d'investissement à l'ULB depuis près de 20 ans, qui a un droit de premier refus, ce qui a permis d'attirer énormément d'investisseurs privés, quand je dis privés, c'est individuel, et qui maintenant, on remet ça en cause, puisque nos chercheurs sont tout à fait contre le fait de devoir passer devant eux au lieu d'un autre investisseur potentiel. Et donc, le droit de premier refus doit être géré de manière très... très attentif par les autorités, sont les autorités, et malheureusement elles ne comprennent pas toujours ce qu'elles signent, quand elles le signent, et puis on est parti pour 5 ans. La promotion de liée au brevet, ça je ne suis pas tout à fait convaincu, mais ça se voit, j'ai fait une petite recherche en venant dans le train, il y a des universités qui lient la promotion académique au dépôt de brevet, ça je crois que ça va un peu loin, mais la question est intéressante. Évidemment, est-ce que les chercheurs font la recherche de nouveautés avant de commencer un projet de recherche? C'est très rare et je ne vois pas en quoi, mais il paraît que ça se fait. En tout cas, il y a certains articles qui montraient ça, donc voilà, c'est les nouveautés. Évidemment, l'organisation de la TTO, ça je crois que j'ai fait mon point. Et alors, on oublie souvent la confiance, l'authenticité, la confiance, et c'est un facteur clé du succès. Et malheureusement, qui est très difficile à réglementer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno Van Pottersberg, pour cet exposé passionnant. On comprend bien que c'est la rencontre de deux mondes, hein, le passage de la science à l'industrie. Cette rencontre, elle est complexe, elle n'est pas naturelle, et que le rôle des organismes de transfert de technologie est important pour faciliter cette rencontre. Alors, est-ce qu'il y a peut-être, on a quelques minutes pour prendre une ou deux questions à Bruno Van Pottersberg. Est-ce que dans la salle, il y a peut-être une question? Oui? Je vais me lancer, merci. Présentez-vous. Alors, je viens à peine, alors je vais intervenir dans 5 minutes, je vais modérer la prochaine table ronde. Et donc, je me demandais, Bruno, tu as bien insisté sur le fait que c'est un sujet passionnel, passionnant aussi, passionnel et qu'il y a beaucoup de controverses, hein, notamment dans les milieux académiques, même si c'est en train, je pense, d'évoluer. Est-ce que, je le disais, au niveau du discours, mais aussi des pratiques, quelque part, on n'aurait pas plutôt intérêt à insister sur le mécanisme de licence plutôt que sur le brevet, le droit de propriété en tant que tel? Parce que quand on s'intéresse aux conséquences positives ou négatives, on parle de transfert de technologie, de ralentissement de la recherche, de monopole, etc. En fait, toutes ces conséquences-là dépendent du mécanisme de licence qui va être choisi. Ce n'est pas du tout la même chose si on a une exclusivité très forte, si on a des non-exclusivités, si on a des exclusivités par domaine d'application. Enfin, tout se joue, je pense, au niveau de la licence. Et donc, ça, je pense que souvent, au niveau des individus, des grands publics, même de certains experts, c'est très mal compris et on se focalise sur le brevet en tant que tel, alors que ce qui est décisif, selon moi, c'est vraiment le choix stratégique des licences. Donc, je ne sais pas ce que tu dis. De ça. Oui, donc c'est un super domaine et qui ne peut pas s'appliquer systématiquement à tous les brevets, parce que ça dépend de l'invention en tant que telle, et le brevet de Stanford qui a donné lieu
à l'essor des biotech, le Cohen et Boyer était un brevet de licence non exclusive. Et donc, il y a eu des centaines de licences, c'est-à-dire toutes les entreprises qui voulaient exploiter la technologie pouvaient l'exploiter, mais c'était un brevet générique. C'est-à-dire, il faut distinguer si ce n'est pas une formule pharmaceutique, ce n'est pas une entité biologique qui, avec effet thérapeutique potentiel. C'était vraiment une découverte générique, utilisable par les universités et les entreprises. Et là, il faut que les universités soient conscientes de ça. Et alors, un moyen intermédiaire, c'est également de faire géographiquement et d'induire une concurrence potentielle plus rapide sur le marché. Mais je suis d'accord avec toi. Dans notre UNIF, on a eu cette réflexion pour les brevets liés au COVID. Est-ce qu'on les faisait mutuellement, enfin exclusifs ou en non-exclusifs? C'est une question intéressante. Après, quand on commence à négocier, quand on a un brevet universitaire, ce qui est fantastique, c'est les chercheurs, les professeurs toquent à la porte et disent « Où est mon argent ?» Enfin, où est le retour? Alors, on doit leur expliquer « Oui, mais il faut d'abord qu'une entreprise fasse la licence et puis qu'elle mette en œuvre et peut-être que dans 6 ans, vous verrez quelque chose. » Et donc, je ne dis pas qu'ils veulent absolument de l'argent, mais ils posent la question parce qu'ils veulent être… Et donc, il y a une méconnaissance de la complexité et à l'heure actuelle, je dois avouer, donc on ne licencie pas tous nos brevets, hein, 30-40%. Et quand on a, et ce qui est beaucoup, mais on n'en dépose pas, en fait on fait déjà une analyse préalable, donc on fait la sélection. Quand on a un lead, on est déjà tellement content d'avoir ce lead et de pouvoir compenser les coûts passés. S'il faut bien savoir, enfin, Yann Meynière va intervenir, mais quand on a une lettre de l'OEB qui nous dit « Félicitations, votre brevet est délivré », c'est une très très mauvaise nouvelle. Parce que c'est là, ah oui, les coûts commencent. On doit commencer à les valider dans plusieurs pays et si on ne le fait pas, les entreprises ne sont pas intéressées. Et donc on a des coûts. Là, j'ai un brevet en tête qui a 16 ans et tout le monde est toujours convaincu qu'on va arriver à le déposer, mais on est à 170 000 euros de coûts cumulés depuis son dépôt. 170 000 euros, enfin, je veux dire, c'est deux profs, 170 deux jeunes profs. Ouais, 170 000 euros. Ouais. Voilà. Nous sommes plus logiques, mais je suis en France. En fait, et peut-être, pour terminer, on a une question qui nous vient de nos auditeurs en ligne, Aurélie. Oui, on a une question de Sina, déjà qui vous remercie pour votre présentation, Bruno, et qui voudrait en savoir un peu plus sur l'enjeu autour du droit de première refus. Oui, donc le droit de premier refus, c'est très… Alors, on l'a dans deux cas d'espèce, et il y en a probablement plus, mais c'est soit quand on a de la recherche financée par l'industrie, ou donc une entreprise, j'ai un cas très concret, une entreprise pharmaceutique qui finance un gros projet de recherche avec beaucoup d'incertitudes et qui demande simplement avoir le droit de premier refus, de pouvoir licencier le brevet en tant que… Si on fait des découvertes scientifiques, c'est à eux que l'on propose la licence. Évidemment, après, on peut, normalement, c'est de la négociation et pas un accès automatique, mais en fonction du contrat, il y a ces discussions. Et évidemment, parce que quand on fait appel aux universités, il y a tout un stock de capital qui est l'historique du département de recherche. Et ça, évidemment, on ne le paye pas, parce que l'entreprise paye les coûts courants, mais pas les coûts, la valeur totale. Et donc, c'est pour ça qu'on a une négociation qui est assez saine, mais qui se passe à ce moment-là, et je trouve ça très sain, je n'ai pas vraiment de souci avec ça. L'autre cas de droit de premier refus, c'est ce qu'on a eu pendant des années et que l'on remet, on remet pas encore, enfin, on réfléchit à l'heure actuelle, on a eu… 4 tours d'investissement de venture capital de notre fonds d'investissement privé et systématiquement les investisseurs étaient attirés par ce droit de premier refus, c'est-à-dire tous les brevets, tous les projets de spin-off, donc pas les licences, les projets de spin-off doivent être présentés à leur comité d'investissement en premier lieu et ils ont 4 mois pour se décider et s'ils décident de ne pas investir alors l'équipe peut aller ailleurs. Et ça suscite, vous savez, quand on est dans une université libre, ça suscite des débats. Mais d'un autre côté, ça a permis d'avoir ce fonds d'investissement qui a généré plusieurs spin-offs extrêmement, chanceuses ou qui se sont développées. Belles réussites. Oui, de très belles réussites. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, merci encore. On peut applaudir.